Tac, je vérifie que tout passe bien sur le stream. Bah, par contre, quand t'es dans ces 6 et que t'arrives à gratter de la distance, tu peux rester dans ces 6 en virage gauche pour essayer de caler un tir, non? En fait, si tu veux, l'histoire de virage gauche, virage droite, c'est le couple moteur. Parce Ouais. que comme tu tires sur le moteur, Et bonjour à l'avion, tous, il va vouloir bienvenue sur la chaîne. basculer sur la On gauche. va Et bientôt donc, un coup de gaz décoller. et décélérer. Alors, si tu essaies avec le 109 en virant à gauche, en fait, tu accentues davantage et tu risques de décrocher. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux virer à droite, parce que quand tu fous le gaz ou couper les gaz pour ralentir réellement derrière, bah, tu auras moins de problèmes, tu seras beaucoup plus stable. Et donc, pour tirer, c'est mieux. Le Spitfire, lui, va avoir beaucoup de mal à essayer de t'aligner. Ok, ouais, je comprends. Après, Même il y a pour la aussi les stabilité de ton habitués. tir, c'est mieux, quoi. Ouais, largement mieux, ouais. La Mais plupart des pilotes. tu pourras jamais virer à droite si lui, il vire toujours à gauche. En virant à droite, tu pourras jamais le tirer, en fait. Bah si, parce que tu fais un double cercle à ce niveau-là. Et là, tu le fais en face à face. Ah ouais, oh, putain, le face à Et face. en face à face, le 109, c'est le meilleur. Parce que le Spitfire, il doit atteindre la convergence. C'est à 250 mètres. Alors que nous, tu peux tirer de 300 mètres à 0 mètres. En ligne droite. Der Jäger. Ich verstehe. Aber der Jäger mit Leuchtpatronen, ich verstehe nicht. Alors, c'est très facile. J'ai mis que les surnoms des avions. Donc, Der Jäger, c'est le BF-109. Attends, oui. Et donc, le Leuchtpatronen, c'est le pistolet éclairant. Parce Ah. qu'il y en a qui aiment bien ne pas l'avoir et d'autres qui aiment Ah, bien ouais. l'avoir. Je Donc, sais où je c'est en vais. fait les mêmes appareils. Et avec le pistolet. Ah, Leuchtpatronen, d'accord. C'est ça que Leuchtpatronen, du coup, c'est ceux qui ont le pistolet, quoi. je... Ouais, donc Ah, Patisse, hop, il peut changer. Ah bah voilà, c'est fait. fier. Bah quoi? Langnaz, c'est le long nez. Et le Ouais, Metzger Langnaz. Vogel, c'est l'oiseau couché. Puisque c'est son petit Oiseau surnom à couché. lui. Oiseau couché. Et oui, il était surnommé par les Britanniques le Birdwatcher, l'oiseau rongeur. Pardon. D'accord. Parce que ben, il avait plus de munitions que de carburant. Et il faisait beaucoup, beaucoup trop de dégâts. Ah, le A8. Ben, le Anton, pas le A8 en particulier. Ah, c'est vrai. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Paul Le skin Friedrich. désert, il est magnifique. Le Friedrich, c'était pas un peu le même délire aussi? Non, le Fred... enfin, le Friedrich. Lequel? Le Focke-Wulf ou le BF-109? Ah, Fogolf. Le Focke-Wulf Friedrich était un anti-navire. Ah. Et niveau canon, même capacité ou réduite pour l'emport de torpilles? Canon réduit, mais il garde toujours les deux mitrailleuses de salle et les deux canons en emplanture des ailes. Ouais, dans l'absolu, ça reste une bonne puissance de feu. Oui. Et ajoute à ça le fait qu'il peut couler des navires. Ça, c'est beau. Pêche-toi Alors, une pour ce petite. soir, Boum, boum, boum. vous pouvez voir que vous êtes alignés tous ensemble, on est côte à côte, donc pour nous trouver au départ, ça va être facile. Il suffit de regarder dehors. Attention, il y a du vent, donc la piste de décollage, c'est la 22, et atterrissage, c'est la 22. Donc on fait attention, s'il vous plaît, pour pas se poser contresens et foutre la merde. Attends, 22 et 22, Ouais. ok. Oui, on pose en dé atterrit dans le même, enfin, on décolle et on atterrit dans le même sens. Ok. Ok, d'accord. Moi, je suis pas avec vous, je suis avec des U88, moi. Ah ouais, t'es avec nous. Ben, Une carte t'inquiète, 88. Tu parce nous qu'elle vois a la pas parce pause. que le serveur est en pause. Ah bon, d'accord, ok. Ah bon, alors c'est d'accord. C'est Voilà, normal. là, t'as dû nous voir. Ah. J'ai déposé. Ah, ils sont tout jaunes. Ah oui. Oui, déserte. Qu'est-ce qu'on est beau, les gars. Non, c'est vrai, ils sont sympas hein, comme ça. Hein. Si. Ah, il y en a qui est tout noir. Ah ben non, faut pas changer, restez en pleine, les amis. Ah non, c'est Oh bon. là Ah là. non.
Ah non, Ah, c'est le moi je chef, parle d'accord, de c'est le l'épée. chef. Oh non, non, c'est le chef. Il a raison. Il a bon. Là. Comme ça, vous pouvez me trouver facilement. Ouais, c'est vrai. Non, mais j'ai pas vu que c'est toi. Ok. Autant pour moi. Ok, c'est autant de chargés que vous le verrez. Donc, pour la mission de ce soir, je suis votre Staffelführer, donc je gère l'entièreté de l'escadrille. Tout passe par moi, quoi, en gros. Pour les BF-109, ben, je suis le Champfführer. Et ce sera Nemo qui sera le Rotführer, donc le numéro 3. Ok. Pour les Dora, Fufu n'étant pas là, vous êtes que deux. Donc, Tiger, tu es le Rotführer. Et donc, mon deuxième, entre guillemets, Champfführer, parce que tu gères que ta paire. Ouais. Et donc, Eltank sera le numéro 2 de Tiger. Et Loulou, bah, tu devais voler Godzi, mais Godzi, il veut pas venir. Donc, Ah, c'est bien comme ça, je vais écraser personne. voilà. Je décolle en dernier, bien sûr, hein. C'est mieux. Oui. Il n'y a pas de problème. De toute façon, tu es le plus lent, donc Ouais. autant te laisser un peu de marge. Si on se Ah décolle ouais. derrière toi, on va te rentrer dedans. Si tu n'arrives Ouais. pas à décoller, tu as le droit de prendre un avion qui est déjà en vol. Ils s'appellent tous Ah. entrecrochés en vol. En vol, en tant que chien. Ok, ouais. Voilà, ça c'est si tu n'arrives pas à décoller. On va tenter déjà un décollage. Ouais, Et bien donc si sûr. tu te viandes, tu ne demandes pas la permission, tu reprends directement un en vol. Ouais. Mais Voilà, parce qu'on pense. faut que j'y réussisse quand même. J'ai vu et je te remercie que j'avais été promu au grade de caporal chef. Eh oui, Ça ne deux va mois pas changer. des présents. Tac, tac, tac. Donc, notre mission. Si vous faites carte à 10, vous voyez notre position sur Rayak. On est en Bravo Delta 25. Quasiment ben, Bravo Delta 24. Donc, des bombardiers, des Tango. Junkers 88. Il y a trois quêtes, donc une Staffel complète de Junkers, des cols de René Moinade. C'est au nord de notre position. Ok. Là, j'ai visuel. Ferme. En bord de mer. Voilà, visuel. Donc à 84 km de notre position, ils sont au nord. Ils vont décoller de René Mouad. Ils vont passer au nord de Tripoli. Ils vont continuer vers Oujaajar. Passer au nord de Beyrouth, toujours au niveau de la flotte. Et descendre sur Saïda. Et au sud de Saïda, il y a un petit port, enfin pont, pardon, qu'il faudra détruire. En même Donc, temps, ce petit pont. j'ai pas Saïda, c'est où? Saïda, Une c'est. toute petite. Ouais, pardon, excuse-moi, Croc. 33-35. C'est une toute petite ville au sud, en dessous des positions des deux unités des deux troupes au sol qui sont au plus au sud. C'est après Beyrouth, tu descends à la côte. En dessous de Chim. Si tu vois plus ce Chim. Ah, je vois. Ok, je l'ai. Saïda. Ok. Et donc, en longeant la côte, ben, on tombe sur une rivière et il y a un petit pont. C'est environ 7-8 km de Saïda. Ok, Donc, ce pont. Ah, visuel. attends. Ah non, pardon, je confonds. C'est au nord de Saïda, c'est l'autre pont nord. Tout petit. Yes. Faut pas qu'on se gourre, Ah hein. oui, il est tout petit, effectivement, je le vois. Faut pas aller un pont Alors, trop loin. ouais, parce que l'autre pont, il y a un chemin aussi. Alors, il fait chier, mais il y a moyen de le contourner. Donc, si on le détruit, on fera chier l'adversaire. Mais le Ouais. mieux, c'est celui qui est au nord de Saïda, pardon. C'est tout petit. De toute façon, c'est Junkers 88 qui sont censés les bombarder. Ah, je pose juste un truc juste pour. C'est celui-là dont. Ah bah voilà, il y a quelqu'un qui a posé un truc. Très bien, c'était bien celui-là. Exactement. C'est bien celui-ci. Donc, oui, il y a les PAC 40 qui sont des canons anti-char qui, justement, surveillent le pont. Mais ils ne peuvent pas faire grand-chose tout seuls. Ah oui. D'accord, c'est les unités qu'on voit qui sont juste au-dessus. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on doit se rejoindre entre eux et nous. Voilà, donc Imaginez. voilà, René Mouad, enfin, les Junkers d'école vont se faire escorter par 4 BF-109 qui sont à Oujaajar. Ok. Tuent au nord de Beyrouth. Là, les BF-109,
ont le point de rencontre au niveau de Tripoli. Ils vont attendre les Junkers 88 à Tripoli et les escorter à partir de là. Ils les escortent jusqu'à leur retour. Nous, notre mission, c'est escorter les Junkers 88 jusqu'au port, enfin jusqu'au pont. Donc, on peut faire une attente à Beyrouth, on peut faire une attente au-dessus du pont et interdire tout accès aux chasseurs ennemis, ou on peut directement, si vous le sentez, rejoindre le groupe directement à Oudja Hajar. On va faire de belles images. Voilà. Ah ouais, en Syrie, ouais, c'est toujours très beau, la Syrie. À savoir que si on n'arrive pas, enfin si Incarnate n'arrive pas à détruire le pont, c'est au BJ, au Blitzjäger, de détruire le pont. Ah, donc, faut qu'on ait une bombe sous les ailes. Et alors, on va éviter, parce que ouais. Certes, un grand moustachu qui n'était pas si grand, qui a demandé à ce que tous les chasseurs puissent porter des bombes, nous, on n'est pas sous l'air, on ne va pas mettre des bombes à nos chasseurs. Donc, parmi vous, qui sera intéressé pour faire de l'attaque RR et qui sera intéressé pour faire de l'attaque air-sol? Tiger, air-sol. Patis, je pense air-sol aussi, parce que je suis vraiment une quille. Moi, du RR, je suis pas bon, mais ouais. Ça m'amuse. Je vais faire du RR, hein. Je vais faire du RR, Pierre Klosterman. Je ferai du air-sol quand il y aura des bombardiers. Voilà. On a combien de vies pour ce soir, Croc? Alors, pour le décollage et atterrissage, si vous vous plantez au décollage, vous avez autant de vies que vous voulez. Si vous faites abattre par un Spitfire, vous avez le droit qu'à deux vies, c'est-à-dire cette vie-là plus une autre. Ok. On a droit à un respawn. C'est ça. Uniquement okay. Si vous faites abattre par un Spitfire. Ouais, ok. Pas de problème. Après, si vous crachez contre le pont involontairement, parce que volontairement, non, c'est vous vous arrêtez de voler là. Involontairement, c'est pas grave, vous pouvez reprendre un appareil. Et vous verrez que si vous crachez contre le pont il sert plus à rien de qu'on continue, il sera détruit. Voilà. Alors oui, l'aéroport de Beyrouth est inaccessible. Ne cherchez pas à vous poser dessus. J'ai posé des mines. Terrain miné. Oh merde. J'ai pas réussi à faire des cratères, donc j'ai posé des mines. Comme ça, quand si vous posez, vous créez votre propre cratère. Est-ce que pour la photo, on peut le faire quand même? Il va y avoir du mal, hein. Parce que moi, poser, boum. Les mines, c'est un truc que tu trouves sur le World War II pack à 7 ou tu es là en général? C'est de base. De base, ça s'appelle mine. Mines, je connaissais pas. Ah ouais? C'est un objet mine. Si t'as un véhicule qui passe, il explose. Par contre, ça ne marche pas sur l'infanterie. Ça marche pas sur l'infanterie. Ah, d'accord, ça marche que sur les véhicules. D'accord. Véhicule avion. Couf, ça veut dire avion, qu'il faut s'éjecter avant que l'avion touche la piste. Bon courage parce que tu prends un temps avant de poser. Hein. Ouais, clairement. Là. Ok. Alors, okay. Tac. Donc, on a le temps que j'ai pas entendu ta réponse si tu veux faire un coup sur RR. Bah, sachant que je suis dépendant de Tiger, je le suis sur du air-sol. Ok, donc les D9, vous êtes en attaque au sol. Vous pouvez choisir soit la bombe, soit la roquette, mais les deux avec un port similaire. Ouais, ouais. On prendra bombe. Hein. Ok, on prend les petites bombes. Pour les BF-109, tous les chasseurs s'équiperont d'un réservoir largable. Tous les bombardiers prendront une. Alors, soit SC-250, soit SC-500. Attention, SC-500 est extrêmement lourde, extrêmement puissante. On n'a pas trop le choix. N'hésitez à mettre un long délai, si tu veux pas te faire péter la gueule. Et pour toi, Loulou, comme tu as dit chasse, tu peux retirer le pylône ventral. Non, je ne t'ai pas retiré. D'accord. Ok, je vais le retirer. Voilà. Tac. Alors, le pylon, je sais surtout pas le larguer, mais ça, tu pourras nous apprendre ça en vol au pire. Le bidon, c'est très simple. C'est tu as une petite tirette. Tu vois la tirette rouge pour pomper.
Ouais. T'as une tirette grise juste à côté. Largage d'urgence en port, c'est ça? C'est ça, tu tires sur ça. Et t'as plus le réservoir largable. Ah cool, très cool. Oh putain, les Black Ops, ça commence déjà, c'est quoi ce délire? Les Black Ops. Les chats noirs. Qu'est-ce qu'il est beau, c'est ce qui... Qu'est-ce qu'il est beau. Et alors, n'oublie pas de mettre votre numéro pour qu'on puisse vous identifier, surtout sur les photos. Ah oui. Bon, c'est bon. C'est-à-dire, je vais être donc aussi pour la radio, le privé. On se met sur le canal triangle, donc le canal 3, pour tout ce qui sera la phase de roulage, décollage, atterrissage. Et une fois qu'on sera en vol, on se mettra sur le canal 2. Triangle puis 2, ok. Voilà. Deux. Triangle, je rappelle, c'est la base, c'est toute opération terrestre. Le 2, c'est toute l'opération Staffel. Et le 1, la charme. Mais je vous ai tous mis sur le même canal. Donc ça ne changera rien. Et le 4, c'est le canal ouvert. Et vous allez entendre tous les IA parler. Donc si vous êtes perdu et que vous voulez chasser de l'ennemi, foutez-vous sur carré, donc canal 4, qui vous permettra d'entendre tous les IA annoncer ennemi à bidule, mais attention, je suis en contact, etc., etc. Je vous mets pas par défaut, parce qu'ils sont assez bruyants. Mmh. Ok. Rock, juste pour petite précision, moi qui voulais faire l'attaque seul, tu as demandé réservoir de carburant. Si j'ai pas le réservoir, ça va être chaud pour terminer la mission, c'est ça? Non, non. C'est en fait, on prend un réservoir largable pour que tu ne traînes pas par rapport à nous. D'accord, ok, parfait, magnifique. On le prend plein, le réservoir, c'est con, mais je pose quand même la question. Bah, tu peux pas choisir vide. Donc, Ok, bah au moins comme ça. Donc, Patis, tu prends l'SS500, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Alors, petit conseil, tu prends le détonateur Thunder 38 et en fixé. Alors, attends. Pour cela, le détonateur, c'est la petite flèche jaune en haut à gauche de la bombe. Attends, mais comment tu le règles, ça? Et justement, une fois que tu as sélectionné ta bombe... Oui. T'as une petite flèche jaune en haut à gauche, un coin de carré. Oui. Oh. Donc là, t'as la Thunder par défaut, qui est en mode variable. C'est-à-dire que t'auras, entre guillemets, mais, si tu mets sans délai, c'est 50 millisecondes, donc 0,05 secondes après impact pour exploser. Ok. Et avec délai, c'est 0,2 secondes. Donc ça te laisse pas du tout le temps de t'enfuir. D'accord. Et donc, si tu mets le fixé, la bombe aura besoin de 1 à 2 secondes pour s'armer. Okay. Mais par contre, que tu mets sans délai ou avec délai, ça sera 5 secondes. Ça te laissera largement le temps de t'enfuir. Ok, on est bien d'accord. Faut qu'elle vole au moins pendant 2 secondes pour que la bombe explose. Tout à fait, seulement si tu te mets en mode Waagerecht. Waagerecht, c'est tout ce qui est à droite. À droite, alors, ok. Schurz, c'est tout ce qui est à gauche. C'est-à-dire qu'à Schurz, il te fera une seconde de vol avant que ça touche au sol pour l'armée. Ok. Bon, donc je me mettrai sur mon Schurz, du coup. Ok. Et donc les autres, avec le réservoir plein. Je ne savais pas que ça serait ça. On est en surpoids. Donc ça veut dire que les PF-109, on prendra plus de longueur de piste pour décoller. Laissez bien l'avion prendre la vitesse. Bien entendu, la piste est extrêmement longue, donc pas d'inquiétude, on a la marge pour décoller. Et n'oubliez pas de mettre le pas automatique sur le 109. À chaque entraînement, le premier décollage, moi, je repars au sol. Et puis, si vous avez un ennemi aux fesses, n'oubliez pas que vous piquez pas du nez vers le bas, sauf si c'est pour fuir. Parce que les copains, sinon, ils peuvent pas attaquer l'ennemi qui est dans votre cul. Ah, petite leçon de Nemo de la dernière fois. Nemo ? Oui ? Pour rendre plus réaliste, je t'invite à retirer le 0 sur ton immatriculation. Ça n'existait pas, un 0. Retirer le... Ok, alors attends, hop. 7, voilà. Moi, c'est 10. Mais comment vous faites pour changer vos trucs comme ça ? Bah, dans le réarmement.
tout en bas, sélectionner la livrée et en tout un numéro. Mais là, je peux pas, il y a la pause, ça marche pas. Confirme, il y a la pause. Ça marche avec la pause. Ouais, moi aussi. Propre OBS. Mais vous avez pas utilisé le menu des coms, c'est pour ça. Ah oui, c'est Alt%. Alt%, ça marche. Ah. C'est où le pourcent? À côté du M. Oh, c'est du U. À droite du M. Ah ouais. Et c'est pas un U, c'est un micro. Ah ouais. Le U, il est à côté entre le Y et le I. C'est ça. Ah oui, d'accord. Okay. Le micro. Ah oui, micro. Ah ouais, d'accord. Pareil. Ok. Allez, on ne va pas trop traîner parce que Junker 88 ne nous attendent pas. Hein. Eux, ils ont une heure pour bombarder. Qu'on soit là ou pas loin, ils bombardent. Ils bombardent, ouais. Ouais. Okay. Moi, j'ai une limite de temps. En plus. Bon. Allez. Mais bon vol. Et on se retrouve sur la radio. Request rearming. User left your channel. Copy. Allez. Hop, je me mute. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. On est good. Le petit menu étoile, l'équipe au sol. Hop. Rearming complete. On va mettre un petit peu de gaz. Merde, moi je suis 4, c'est ça? Comment ça t'es 4? Je suis numéro combien moi déjà? T'es numéro 5? Ouais, c'est ça. Clear. Le loup sur fréquence. Et Patty sur fréquence. Ah, c'est pas sur TeamSpeak, hein, loulou. Je sors de speak. Attends. User was moved out of your channel. Et plus quoi en fréquence? Le loup en fréquence, ça marche? Le loup en fréquence, ça marche? Et le loup, on te reçoit. Merci. J'attends en fréquence, le général. J'ai pas fait gaffe, Nemo. J'ai pas parlé, alors attendez. Nemo sur fréquence. Nemo, fort et clair. Croc. Croc, si tu me reçois, ôte-moi juste d'un doute. Le pas automatique, c'est bien le switch vers l'arrière. Alors attends, on va le refaire. Croc, si... Eh ben, pourquoi ça marche pas? Ah, mais parce que j'ai peut-être pas reparamétré sur ce... Croc, juste pour m'enlever le doute, le pas automatique, c'est le switch vers l'arrière. Affirme. Je te remercie. Option raccourci clavier et croque sur fréquence. Activer la coupure, désactiver le feu. Ouais, reçu 5 sur 5 croque. Alors après. Et pâtisse prêt à rouler. Surtout, attention, on n'a qu'une seule radio et on ne peut pas émettre et recevoir. Donc, très attention à vos communications. Numéro 6, n'oublie pas ta bombe. 6, copier.
Alors. Ok. Merde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et pourquoi j'ai pas le. Et leader à tous, coupez vos feux de navigation, on se sert en seconde guerre mondiale. Pourquoi j'ai pas mon. Alors attends. Ah, ok. 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 C'est le petit switch où il y a écrit le petit bouton, il y a écrit Ken Lichter. Et ici Croc, je confirme Ken Lichter touche C100 pour les bestes. Hop. Un peu de boxon. Et 3, je suis prêt au roulage. C'est prêt. Ouais, j'ai pas de. 5 prêts. Blue prêt. Et 4 prêts. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et à tous, on va commencer à rouler. Petit je roule. Et 3 jours. On va tricher un petit peu les gars. Et 4 joules. User left your channel. Je vois plus du tout le chef. Il passait où? Vous voyez plus? Deux, je reste là, je te voyais plus, Croc. Oh, tu vois rien, c'est une horreur.
Je sais pas si je suis droit, c'est droit. Et pâtisse de croc, tu peux avancer jusqu'à avoir les ailes au même niveau. Et Nemo de croc, tu peux bien avancer aussi, hein, comme ça je peux bien vous voir. À peu près un 45 degrés par rapport à Patrick. Pardon, 45 degrés par rapport à quoi? 45 degrés par rapport à Patis. Ok, bien pris. Ah, depuis quoi, Nemo, tu feras gaffe, t'as des volets ouverts en grand. Ouais, c'est bon, c'est corrigé. On va commencer à décoller le temps que vous passez. Ok, bien pris, prêt. On prend combien d'écart entre chaque décollage? Entre chaque décollage, de même... les numéro 1 et numéro 2, on prend 2 secondes d'écart. Entre numéro 1 et numéro 3, c'est l'avion qui est derrière lui, il prend 5 à 6 secondes d'écart. 1 à 2 secondes entre chaque appareil côte à côte et 6 secondes à peu près entre deux lignes. Bien pris. Et leader, j'attends après par ordre décroissant, donc du dernier au numéro. Ah si, je finissais mes préparations, prêt. 5 prêts. Coucou, il a oublié de s'annoncer. Deux prêts. Et bien pris, ici leader, je t'entends. Et deux, j'y vais. Et quatre.
Wow. Bon. Je payerai ma tournée. Ouais, je serai avec toi. On croque question, on redécolle ou on prend un truc en vol pour pas voir tard. Tu peux redécoller si tu penses aller assez vite. Je redécolle. Par contre, Patty sera obligatoirement obligé de reprendre un avion au sol parce que ceux qui s'envolent ne sont pas armés. Hépatite sans fréquence. De leader, super droit. Ah putain. La bombe. J'avais oublié ça. Ok, ma arme, je vais chercher ce master arme de ouf là. Commande. J'avais mis en plus. Bon là. Non mais j'avais mappé ça, tout ça. Petit cowboy, Patrice, laisse décoller devant moi, d'accord? Carburant. Pâtisse pour Loulou, c'est copié. Pourquoi il avance pas en avion? Cowboy, tu me reçois? Allez, je t'en reçois 5. Je te laisse décoller devant moi. Et je roule.
chef de 3. Leader de numéro 3. Ici, leader, j'écoute. Le méthanolvasseur, le switch, il est bien actif quand il est en vers la gauche. Négatif, vers la droite, vers le manche. Merci beaucoup. J'ai fait les choses tellement machinalement que je ne savais plus ce que j'avais fait et pas fait. Mais pourquoi il fait ça, ce putain d'avion de merde? J'arrive pas à décoller, c'est un truc de ouf. Ma question, j'ai ma roulette de queue qui est bloquée en position 90 degrés. Oh, je me sens pourquoi j'ai pas... Ah, je vais pas t'aider malheureusement. Ça va dehors. Le truc que j'avais paramétré ne marche plus. Ça me tue de rire ça. Allez. Ouais, j'ai dû reprendre un appareil en vol parce que ma roulette de queue était bloquée à 90 degrés, pas moyen de la dégripper. Déverrouiller, reverrouiller la roulette de queue. Ouais, je l'ai fait plusieurs fois et même en essayant de lui mettre de la vitesse pour lui mettre un à-coup pour qu'elle se remette, impossible. Elle restait bloquée à 90 degrés. Mange ça. Ici, Staffelführer, nous partons vers l'objectif à escorter. 3 bien pris, je suis en rejointe actuellement sur ton aileron. Rearming complete. Numéro 3, je sais pas quel est l'autre avion qui est sur la gauche du leader. C'est numéro 5. Ok, bien pris. Et Croc pour les équipes au sol. Nous partons sur un cap 300 pour rejoindre les bombardiers. Et nous on passe sur canal 2. Donc bon courage pour vos décollages, sinon vous prenez un avion en vol. Et du coup j'ai pas la bonne couleur. Oh putain, ils m'ont changé la radio. Pff, vas-y, ça m'a saoulé. Je prends un avion en vol, ça m'a gavé. Donc, je... Si. Ok, pour l'instant, on va être 4 en formation, un 5ème arrive derrière. On va essayer de tenir la formation avec les Uto 88. Apathy, j'ai pris un avion en vol, j'ai mis mon palonnier qui s'est bloqué en frein, ça m'a retourné avion. Donc. Je suis en vol et j'arrive. Bien pris, qui peut nous rejoindre ce moment.
3, je suis un peu derrière vous, toujours visuel sur vous. Il y a toujours un point de hasard. Bien pris, un point de hasard. J'ai des soucis avec mes volets, je sais pas ce qu'ils font, ils sont complètement fous. Pour les longs nez, je vole actuellement à 440 km/h. 440, c'est copié. Et pour information, si les chasseurs ennemis arrivent, ils viendront du sud. J'ai appris à arriver la chasse au sud. Alors, précision, chasse ennemie. La chasse alliée se situe au-dessus des Junkers 5. Copie pour la précision, chasse ennemie, provenance du sud. Pour info, Croc, t'as la fréquence de du triangle parce que du coup il est pas paramétré dans cet avion. Il peut pas la régler. Donc c'est la fréquence de Rayak, le triangle. Sinon, la fréquence qu'on a actuellement 2, c'est canal 40, enfin c'est channel, enfin j'ai... c'est fréquence 40, pardon. Merci. À gauche. Peu de leader, je peux avoir votre attitude, s'il vous plaît. Et leader actuellement à 3000 mètres. Appel de leader, si vous ne l'avez pas encore fait, activez votre réservoir à oxygène. Il doit être devant moi, peut-être que je vois devant en fait. Hein. Aucun visuel sur vous. Je comprends pas, je dois avoir une double commande, je ne sais pas où. Mes volets arrêtent pas de descendre, de remonter, de descendre, de remonter, c'est l'enfer. Quand je le vole régulièrement, le BF-109, j'ai jamais eu ça. Il n'y a pas eu une mise à jour en plus récemment. Vertical des UK88. Ouais, 3 visuels. Dans nos 1 heure. Heureusement qu'il est bombardé, parce que moi je vois rien du tout. Bah, t'as un point de HATA.
On n'y va toujours pas. Leader, je vais réduire les cases pour un point à atteindre. Un point. Leader, pour les Focke-Wulf, je suis à 400 km. C'est copié 400. De la leader, pouvez-vous lâcher une flare? Je n'ai aucun visuel sur vous alors que je suis juste à côté des bombardiers. Et leader, nous sommes au sud des bombardiers, je tire flare. Ma foi, je suis débile ou... Par bombardier, on est devant eux, plus haut, même niveau que les séries des escortes à 3150 mètres. 3150 également, mais je n'ai aucun visuel sur vous, j'ai l'impression d'être seul dans le ciel. Leader de PUCO, je recolle le dernier élément de la formation, demande permission de reprendre ma place dans les dispositifs. Et Pokéboy de leader confirmé, autorisé à reprendre notre place. Mais ma foi. La carte FD, je devrais les voir là quand même. Et Patrice de leader, nous sommes au-dessus des nuages. Ouais, Croc, je vous vois sur la map F10, mais impossible de vous choper visuel au. En visuel, quoi, dans le. J'ai l'impression d'être seul dans le ciel. Là, si je suivais la carte F10, j'ai fait un face-à-face avec vous. Ouais, t'es passé en dessous de nous. Je t'ai vu passer. Ah, mais faut que je change de lunettes, hein. Je te jure que je vous vois pas. T'es passé sous les nuages, au-dessus de ta tête, au-dessus des nuages. C'est pas simple, hein. Et les étiquettes, elles fonctionnent chez vous, non? Non, négatif. D'ailleurs, négatif. Moi j'ai rien, ouais. Là, tu vois, je suis à 3700 mètres. Et je vois juste les bombardiers. Ici leader, deux contacts au sud de notre position. Négatif, trois contacts. Bien pris, trois contacts. Focke-Wulf 579, restez avec les Junkers. PS9, on va les voir. Bon ben. Master.
3, j'ai perdu le visuel sur lui. Bien pris, je retiens une flare rouge. Contact ennemi mobile. Et leader, Spitfire, attention aux fesses. Non, mais je vois rien. Ah, pardon. Ils sont en dessous des nuages. En dessous des nuages. Ah. Ok. Numéro 5, j'ai un split dans mon cul. Près des bombes. Y'a pris un rive. Et Foucault, je remonte mon trespa en bas, c'est dangereux pour nous. A tous, hein. Restez vraiment en hauteur, ne descendez pas. Je n'arrive pas à identifier si ça... Numéro 5, je marque ma bombe. Si, je l'arme. Je sais même pas où je suis, quoi. Trois, je suis au-dessus des nuages, je cercle, j'ai aucun visuel. Et leader en face. Et deux, je crois que j'ai un Spitfire aux fesses. 5, 2, 6, Spitfire abattu. Attention. Est-ce que je peux avoir une indication d'altitude des combats?
Ah non, c'est Croc, putain. Trois visibles sur un parachute. Bon, comme ça, il vous fait pas descendre, c'est pas monter le PC. Dans le 6, un Spitfire qui a engagé un allié. Le numéro 5, je suis engagé. Et ici, leader, je suis derrière le CDR de 5. Allié touché, je suis derrière le... par rapport à eux en fait. Cinq, ne descend pas surtout, ne descend pas. C'est cinq, j'ai plus de moteur. Ok, donc techniquement ils devraient être devant. Putain, c'était bien Spitfire. Attention BF-109 qui me poursuit une cible marquée. C'est moi numéro 3. Tu dégages là, je suis offensif.
Croc, cible abattue. Et 3 en soutien derrière leader. Et 2, j'étais juste à côté, mais je vous ai de nouveau perdu de vue. Quelqu'un a battu ou a fait fuir les autres Spitfire? 3, j'ai abattu aucun Spitfire. Les quelques combats que j'ai vus, c'était des morts. Ici Leader, ne répondez pas si vous n'avez rien fait. C'est vraiment que ceux qui ont abattu. Deux, j'ai un Spitfire aux fesses. Bien pris. Marqué ou offensif? Offensif, non marqué. Bien pris. Tu es vers où? Je vais passer vertical Beyrouth. Je suis au sud de Beyrouth, de l'aéroport de Beyrouth. Négatif, pas de pistolet flare dans l'avion. Bien pris, altitude actuelle. Je suis actuellement à 3400 pieds. 3400 mètres, pardon. Je l'ai croisé, mais j'ai plus de visuel. J'ai vu juste tourner dans mes 6 et plus de visuel. J'ai un contact visuel, je crois que c'est toi. Ouais, il y a tout derrière toi. Je monte. Négatif, le Spitfire était devant toi, il vient de tourner. Ok, j'ai aucun visuel quand même. Et ici Leader, il m'a plongé. Chute 3, je l'ai vu. Ok, je te stabilise. Offensif sur le speed. Ah, du coup, moi, je suis en dessous, au-dessus. Au-dessus. Visio sur le Spitfire. Tu laisses Nemo. Spitfire marqué. Il plonge. Ici, Croc confirmé, kill. Je décroche.
crois qu'à mon équipe, je passe vertical Beyrouth à 3900 mètres. Et Puco en rejoint par le sud. Même altitude. Ok, je suis en vol avec 3. Et 2 en vol avec 3. Et ici leader, statut de qui est présent sur la fréquence par ordre croissant. Croix reçu 3 sur 5, est-ce que vous pouvez répéter? Ici leader, je répète, statut de qui est présent par ordre croissant. Matisse 2 sur fréquence. 3 sur fréquence. Et 4. Ok, il ne reste que les BF 109 sur secteur, bien pris. Et leader, je vais descendre pour aller inspecter le pont de salive, oui sûr. Ok, bien pris, 3 et 2, on est en train de cercler autour de Beyrouth. Au-dessus de Beyrouth. Numéro 5, de retour. Bien pris, numéro 5. Et ici leader, il y a des tirs actuellement sur la route au sud du pont de Sali. Ok, c'est copié. Leader de numéro 3. Leader, j'écoute. Est-ce qu'on reste au-dessus de Beyrouth avec numéro 2 ou on vous rejoint? Vous pouvez rejoindre sur le conseil. Et après on rejoint. Et leader de numéro 5. Et 5 de leader, je te reçois. Est-ce que tu veux faire une passe de reconnaissance sur le pont pour voir s'il doit être détruit ou pas? Et ici leader, je suis actuellement en cours de faire. C'est copié. Et ici leader, le pont est intact, il y a actuellement 5 véhicules canons qui sont en train de tirer sur nos packs. Numéro 5 c'est copié, je suis à pleine vitesse. Au
numéro 2, j'ai plus visuel sur toi, ça tout va bien? Oui, également, j'ai plus visuel sur toi, mais je suis toujours en vol. Sur aile droite, numéro 3. Changement de fréquence radio, je n'ai pas reçu ni numéro 2 ni numéro 4. Ouais, 2-4, je disais à 2 que numéro 3 est dans ses 11 heures. J'ai visuel effectivement sur deux appareils dans mes systèmes. Recoller. Et bien pris, on va faire un virage gauche pour cercler. Et ici, leader, attention, faire un cercle droit si vous êtes au-dessus de Pontsailly, je suis actuellement en cercle droit. Bien pris, je mets à plat. De numéro 5, j'approche par l'ouest, je suis à. Pardon, je suis à 1800 pieds et je vais bombarder. On parle pas en pieds sur les Allemands. 1500 mètres, pardon. 1800 mètres. Bien pris, le pont est à toi, tu es libre à attaquer, il y a des véhicules à proximité armés de canons et mitrailleuses, donc dans, attention. Et le numéro 5, c'est copié. Attaque nord-sud.
5, j'ai largué à bon. Dehors, pas d'explosion de bombe. Alors je confirme, ma bombe a explosé, mais le pont n'est pas considéré détruit en fait. D'accord, ah ben, en tout cas les IA ont évité le pont, ils s'éloignent. Que le pont est détruit. Bravo à vous, on rentre à la base. Et ici leader PIR sur Beyrouth à 2000 mètres. Et le numéro 5 actuellement dans T6. Et numéro 3, je fais capter à Beyrouth et je 2000 mètres.
une des meilleures fins de série. Quoi? Les 3, on a leader et 5 qui passent au-dessus de nos têtes. Oui, on les rejoint. Et numéro 5 pour information, je suis à 420 km/h. C'est copié. Trois leaders, je suis en rejointe de formation par l'aile droite et il y a numéro 2 et 4 qui me suivent. Ici leader visuel sur toi mais pas sur ni 2 ni 4. Et 2 sur formation sur aile gauche de 5. J'accélère pour passer à un point de à un point de Et 2 pour leader, la lumière rouge de mon fuel, de ma jauge de fuel vient de s'allumer. Bien pris, on est à moins de 10 minutes de l'aéroport, c'est pas un souci.
pour information, je suis à 460 km/h. Affirme, c'est copié. Et des 9, on atteint les 60 km/h. Et deux de leader, tu vois la piste? Négatif. La piste se situe à 1h, 2h de notre position. Ok, visuel, je regardais dans l'autre sens. Tu es autorisé à quitter la formation pour être posé. Et c'est copie 2, je pars pour intérieur. N'oublie pas de passer sur canal 3. Copie. Sur fréquence. Et Baptiste de Croc, tu n'oublieras pas d'annoncer tes branches. Pardon, tu peux vous pouvez répéter, leader? Leader, je répète, tu n'oublieras pas d'annoncer tes branches dans ta dernière étape de base finale. Ce serait juste une étape de base, une finale.
Étape de base finale. Pâtisse en longue finale sur la 22. Lui rappelle rencontre finale. Et Patis course finale. Nemo de leader, je te laisse le lead pour la formation, je vais me poser. Bien pris, je prends le lead. Numéro 5, je regroupe sur toi. Et pâtisse vitesse contrôlée, piste dégagée. Piste dégagée. Bon, moi j'aurais réussi à me poser, c'est déjà pas mal. Et croque en finale. Enfin, en vente arrière, pardon. Désolé. Et croque étape de base. Numéro 4, tu peux te présenter et poser. Le seuil de piste qui est sur notre aile droite, c'est la dernière.
Micro explosé. Et Puco en vent arrière. Et quand même, petit dégage. Le numéro 5, je peux quitter la formation. Normalement, c'est le dernier à poser 5. Donc, c'est toi qui te passes en premier, Nemo. Ok, bien pris. Et numéro 3, je me mets en intérieur à main droite pour la vanne. Et plus court en finale. Yes. Croc, quand tout le monde sera posé, je serai autorisé à réessayer un décollage avec la bombe. Ça m'a vexé. Et 3 étapes de base. Hugo crash au décollage, à l'atterrissage. Et une tournée. T'es dégagé. Et 3 comptes finis. 5, 20 à main droite, piste Z, piste 22. Ok, c'est carrément mis dans le hangar. Mais... Et 3 pistes dégagées.
numéro 5, courte tunnel 22. Numéro 5, vitesse maîtrisée. Numéro 5, piste 22 dégagée. En fait, j'ai l'impression que l'avion il dit. Enfin, ouais, c'est normal, tu me diras qu'il est plus lourd avec la bombe, mais. Je contrôle moins au sol. Il n'y a pas de rapport. Par rapport à la bombe. Autant de décollage, oui, parce que tu freines, donc il faut laisser largement plus de temps d'accélérer. Bah, premier coup, je pense que j'ai pris tes turbulences, parce que vraiment l'avion est parti à droite d'un coup sec. Donc, je pense que j'ai pris des turbulences. Le deuxième coup, j'ai pas compris pourquoi. Il a décollé. Il s'est retourné sur la. Il a fait un tonneau. Incontrôlable. Je vais essayer parce que ça me perturbe un petit peu quand même. Surtout que j'ai déjà décollé avec la bombe. Tu m'avais appris à la larguer donc. Fais pas de point d'arrêt, profite là, on fonce à rouler, de verrouiller la boîte de queue, t'aligner et décoller dans la suite. Si tu veux pas de point d'arrêt, t'auras pas de soucis moteur. Tu vois, je me sens que mon avion il part à gauche avec la bombe. Si je le laisse aller tout seul, il part à gauche. Oh putain, et là j'y arrive. N'oublie pas que quand t'as les trains qui y a plus d'un côté que de l'autre, ouais. Et par le dérapage, il part de l'autre côté. Donc maintiens bien manche légèrement en avant et n'hésite pas à compenser droite gauche au manche. Ok, et pas tu décolles avec le carburant supplémentaire là, le carburant le métal vasseur, non, pas du tout. Ok. C'est moi peut couper en fait. Les moteurs, chef. Tu peux couper les moteurs. C'est moi, je pousse progressivement le comment ça s'appelle, les gaz. J'envoie pas tout d'un coup, tu vois. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire. User was moved to your channel. Je reprends un bain de soleil. User joined your channel. Ouais, je prends un bain de soleil. User was moved to your channel. Pour info, Patis, il faut y aller progressivement. C'est en gros de 0 à 100 okay. En 10 secondes. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, moi je suis beaucoup plus rapide que ça. Ça explique peut-être beaucoup de choses. Hello, guys. Je largue. Alors, la bombe. Fusille-moi ce britannique, il n'y a rien à faire ici. Un britannique ?
il parle anglais. Et en plus, il a confondu les maîtres avec des pieds. Alors, ah oui, alors par contre, ça, je m'excuse. Je pensais vraiment. En fait, dans ma tête, j'ai dit maître, mais ce que j'ai dit, c'était pied. Britannique. Bah, du coup, je mords pas un sur la 22. Bah, oh. Si vous voulez retenter les décollages textiles, profitez. Hein. Moi, je vais tenter mon lit, je pense. Oui, parce que toi, il te reste 4 minutes avant que le wifi coupe. C'est ça. Ouais. Par contre, juste avant que tu partes, d'ailleurs, t'as vraiment pas été agréable pour tous tes fesses. Alors. T'étais dans une manœuvre très très violente, et moi, derrière moi, qui était derrière le speed qui te chassait, j'avais vraiment beaucoup de mal à l'abattre. Alors en fait, c'est parce qu'il m'a touché des grosses parties, et en fait, à un moment, il a eu le moteur, et j'ai perdu la radio, donc je pouvais plus vous parler. Il a touché la radio et le moteur. D'accord. Mais ça, c'est un truc que Nemo a dit au départ de mission, et que je le redis, ne descendez pas quand vous avez un Spitfire au cul, parce que là, vous l'avantagez énormément. Ouais, ce que je voulais faire, c'était le haut-bas, tu sais, la technique yo-yo, haut-bas, haut-bas, haut-bas. Bah, le bohème zoom. Ouais, c'est ça. Parce que je sais que le Spitfire est très mauvais là-dedans. Tu poses à combien le 109 ? Environ 50 ? Alors, 180 sans les volets, 120 avec les volets. Mais attention si t'as la bombe ou pas. Non, la bombe, je l'ai larguée. Un rebond. Ouais, j'en ai fait un aussi. Bon, de toute façon, Poco doit aussi une tournée. Aïe, 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 aïe. Ah bah, au moins deux, moi. Ouais, non, mais ceux du décollage, ils comptent pas, si, chef. Les rebonds décollage, non. Anigo, atterrissage. Ok, bon, ça va. Non, je dois pas te tourner, yes. Poco, c'est toi qui invite. Ah, yes. Info annexe du vol, mon data de blackout s'élève à 35 aujourd'hui. Sérieux? Voilà. Par contre, t'as fait combien de screenshots? Parce que là, t'as blindé ton discoder, non? 150 à peu près. Tu divises tout par deux. Parce que, ouais, bon, ça touche un pré-cran avec U. Alors, j'ai déjà fait un premier tri. C'est dispo dans la section média du Discord et ce sera, si j'ai bien compris, dispo sous peu sur Insta. Ouais, Poco, si tu veux monter sur mon aile, pour éviter t'éviter de marcher. Je vous coupe parce que là, dans vraiment genre 30 secondes, ça va couper le wifi. Ouais. Eh bien, bonne soirée, Tiger. Ouais, je remplirai mon truc plus tard. Là, j'ai plus le temps. Pas de soucis. Allez, ciao, ciao, les gars. Merci pour la mission, c'était super cool. Ciao, ciao. Et bonne soirée, Tiger. Bonne nuit. À la prochaine. Salut, Tiger. Ciao. Ciao. Moi j'ai pas réussi à décoller. J'ai pas réussi à faire marcher les canons. Je pense qu'avec mon installation, c'est pas possible que je décolle. J'ai tout essayé. Je pars sur la gauche, j'arrive pas à compenser sur la droite. Ah, mais t'as pas de palonnier aussi, c'est pas facile sans palonnier. Non, j'ai pas palonnier. Non. Normalement, sur la screenshot, j'ai réussi à avoir à peu près tout le monde, y compris des Brits. Classe. Ça peut être... Pour vous arriver à vous choper en groupe avoir des gens sympas, ça n'avait pas été évident. Ah, c'est moins stable que le 2000. Bah, c'est-à-dire que moi déjà, je les ai cherchés pendant bien 30 minutes. Mais je regarderai sur mon stream parce que c'est pas possible, c'est moi qui n'avais pas les yeux en face des trous. Mais à un moment donné, on s'est croisés. Croc me dit on est passé juste au-dessus de toi. Je ne les ai pas vus. Non, t'as vu passer juste en dessous, pile poil quand il t'a dit on est vertical, on est à la verticale de toi. On était en train de passer, t'étais en train de passer juste, enfin, en dessous de nous quoi. Ah mais ouais, mais je crois, mais à un moment donné, je me demandais si j'étais sur le même serveur. T'sais. Je dis putain, mais j'ai été changé de serveur, c'est pas possible. Arrêtez, putain les gars, dites plus de conneries, il y a ma femme qui est sur le stream. Pas tout ce que je vous ai dit. Ça me fout dans la merde. En tout cas, elle était super cool cette mission en vrai. Ouais, non, la mission était top. Franchement, j'ai tellement appris dans cette mission sur plein de trucs, des points positifs et négatifs que où je me suis dit là, j'ai fait de la merde. Si,
Juste une question, c'est qui le BF-109, le BF-109 numéro 38? Est présent, celui qui a tiré sur les autres, c'était moi. Ah, alors je pensais pas à ça, mais... Alors, je pense que il me semble, Nemo, je pense. Sur la troisième photo, à partir de la fin dans la section média... Vous avez pas été en... un moment où vous étiez tous les deux, enfin, où... et t'as pris des tirs, mais de face. Non, moi, enfin, il me semble pas avoir pris de tir. À un moment donné, j'étais dans le 6 d'un avion et je me suis assez vite rendu compte que c'était un BF-109, donc j'ai lâché l'affaire. Mais j'ai pas tiré. Et j'ai pas été tiré dessus, je crois. Ok, ouais, non, tu l'aurais vu, hein, si c'était moi. Après, dans mes Lunson Learn, il y a le... Ouais, j'ai eu du mal à voir... Enfin, à voir Croc, du coup, quand on était sur le même, en fait. À un moment donné, je sais pas, tu m'as dit... un speed marqué, j'étais dessus, tu m'as dit... Et là, j'ai levé la tête, je t'ai vu, je fais... Oh merde, en fait, t'étais juste là, en fait. C'est en fait quand je t'ai ordonné sèquement de partir, c'est parce que, un, j'étais extrêmement concentré sur Spit, ouais, et de deux, c'est le meilleur moyen d'avoir une collision en vol. Donc, ouais. Il est assez important de ne pas chasser la même cible, surtout quand il y en a un qui est offensif sur ça. S'il y en a un offensif, l'autre doit être soit défensif, c'est-à-dire devant le Spit, comme je t'ai fait faire tout à l'heure, ouais. Soit en prise d'altitude et rester au-dessus du combat pour retomber sur l'adversaire dès que l'offensif pas défensif. C'est ce que j'ai fait après, je me suis mis au-dessus de toi, j'ai repris. Mais en fait, j'étais tellement focalisé, j'avais enfin réussi à avoir un avion. Honnêtement, je me suis tellement focalisé que j'ai tunnelisé dessus et j'ai plus vu ce qu'il y avait autour en fait. Et heureusement que tu m'as dit celui qui tape le truc, il fait oui, il est marqué. Dégage, là j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai viré. Je me suis dit, merde, il y a un truc que j'ai pas vu. Là, j'ai levé la tête, je te vois passer. Je suis... Ah ouais, mince, en fait, j'étais vraiment en train de l'emmerder. Là. Mais ouais, le Sun Learn, il faut quand même... c'est dur parce que même quand tu es en train de suivre un avion, faut pas oublier de regarder quand même autour parce que tu peux vérifier qu'il n'y a pas d'allié qui est en train de... Parce qu'en vrai, quand je suis arrivé dessus, je t'ai pas vu. Tu devais être sous mes ailes et du coup, je t'ai pas vu. Mais ouais, bref, c'était cool. Bon, en tout cas, la mission s'est bien déroulée. On n'a perdu aucun Junker 88. Il y a potentiellement deux BF-109 FIA qui ont été abattus. Par qui, je sais pas. Moi, si je t'ai dit tout à l'heure. Peut-être. Peut-être qu'il y a Spit aussi. Parce qu'on a abattu deux Spitfire, mais le troisième, je sais pas où il est passé. La moiture arrière, mais celui que t'as chassé, où t'as dit un émo dégagé. En fait, je suis arrivé dans ces 6 à ce Spitfire, mais j'arrivais pas à savoir si c'était un Spit ou si c'était vous. Si je te dis que je suis passé à moins d'un mètre de lui. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'aurais reconnu avant ou je le coupais en deux avec le canon de 30. Ouais. Là, après, c'est des habitudes de reconnaissance des appareils. J'ai énormément d'habitudes sur les Spitfire parce que c'est un ennemi qui m'est assez familier. Donc, juste aux ailes, j'arrive à reconnaître que c'est un Spit. Pour vous, qui n'êtes pas encore habitué à ça, il faut regarder les cocardes. C'est les cocardes qui sont extrêmement importants. Si c'est carré, c'est plutôt tranché. On voit qu'il y a la note de la cocarde qui est... strict, elle n'est pas arrondie, si tu veux. Ce fait d'être strict, cette cocarde, tu vois de suite que c'est un Allemand. Alors que tout le reste, c'est des ennemis, quoi qu'il se passe. D'accord. Parce que même les Italiens, je crois quasiment jamais, leur cocarde, ce sont trois canons. Ça fait 1h10 quand même, mine de rien. T'avais pas menti, t'avais dit 1h30 max. Pour moi, c'est pour Tiger. Sinon, bon, c'est dommage que Tiger soit parti, mais je rappelle les heures d'atterrissage, surtout ce second mondial où c'est super important. C'est le nombre pair le plus petit, puis le nombre impair le plus petit. Donc, c'est 2, 1, 4, 3, 6, 5, 7, 8, etc. 8, 7, 8.
Donc on commence toujours du chiffre le pair le plus bas. Donc Patty c'était numéro 2, c'est lui le premier. En plus ça tombait bien, il était en bingo. Confirme. Et après, donc forcément en tant que leader donc numéro 1, j'étais le suivant. Et là, je laisse le lead à Nemo. Et une fois que Poco Boy avait annoncé son étape de base, là c'est Nemo qui aurait dû dire d'ailleurs je te le laisse. Et te poser, faire aussi aller vent arrière. La raison de pourquoi je vous insiste aussi pour la nécessité d'annoncer vos étapes, c'est que contrairement au moderne où on a un RWR, on a un contrôle bien de la vitesse, etc., moi je calcule par rapport à votre position. Dès que vous êtes soit en fin de vent arrière, soit en étape de base, je peux envoyer notre avion derrière. Et même s'il va plus vite que vous, atterrissage, il n'ira jamais assez vite pour vous doubler l'atterrissage. Ouais. Du coup, si Tiger avait eu un numéro 2, genre Altank, il aurait fait atterrir Altank avant lui. Exactement, oui. Ok. Mais donc en fait, ça fonctionne par paire et c'est toujours le second. C'est toujours le chiffre pair qui pose en premier dans chaque paire. Exactement. Ok. Que ça intéresse de quelqu'un que je mette le que je vous fasse voir le tag view du combat sur Discord. Mais carrément. Alors je vais mettre dans DCS. Ah, il y a un débrief, ça arrive. Ah ouais, débrief. Débrief. Bon, ce qui en a pensé quoi de mon petit décor? Très classe. Oh, c'est là, stylé. J'ai fait en sorte de dégager toutes les unités modernes que vous pouvez voir sur la piste. Ouais. Très très classe. Et je crois que c'est plus Cowboy qui se fait avoir en premier. Moi d'ailleurs, ok. Et alors lui, j'ai pas dû le voir, à mon avis. Moi, je continue tout droit. Ah si, je l'ai vu ce moment-là, mais j'ai pas réussi à le retrouver après. Là, et il en bas, aspects, il chasse qui? Là, il chasse... Lia. Lia, ok. Et là, il chasse Tiger. D'accord. Ah non, là il chasse les... Ah, et ben... attends. On voit qu'il chasse. Yugo 88 essaye de tirer sur le speed. Ah ok, parce que j'étais là. Au début je me suis dit, c'est sur les Junkers que t'as tiré. Là je vois Croc. Ah non, c'est pas... Croc il aurait pas tiré sur les Junkers. Par contre le speed là, il est très offensif sur Tiger. Et là l'autre sur El Tank. Là, à ce moment-là, je cherchais Tiger à mon niveau. Donc, j'ai dû piquer. J'étais quasiment en voile noire arrivé sur lui. Wow.
Ouais, à ce moment-là, Bah moi, j'avais. moi j'étais un peu aux fraises. Moi j'étais à la technique numéro 1, tu sais pas où ils sont, tu fais des virages. Ah, encore, toi, t'étais aux fraises, mais tu voyais encore quelque chose. Moi, non. Ouais. Et là, il est offensif sur Tiger à nouveau. Et lui, à mon Non. avis, il va prendre le tank. Négatif, j'ai pas. Je sais pas. Non. J'ai pas. Alors, négatif, j'ai pas été abattu, mais j'ai abattu un spit. Et tu disais, Croc? Normalement, derrière le Spitfire rouge, assez loin, il y a moi. Ouais, t'es juste derrière. Et là, il y a Patis qui est offensif sur un spit aussi. Ouais, mais je l'ai perdu de vue en 2 secondes. Hein. Ouais, mais moi, c'est un peu pareil. C'est garder Et tu le. vois, hop, Ouais. je l'ai Ah, paumé quelques secondes. il a fait des virages très serrés et. Ah, j'ai balancé mon fuel tank. Oui, je me suis rendu compte que je l'avais toujours pas balancé. Heureusement que j'avais pas été engagé. En fait, quand j'ai dit au rideau, ça c'est un truc assez typique, je largue le réservoir quand je dis au rideau, parce que c'est à la chasse. Et c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué que c'était la phrase technique pour annoncer à tout le monde de larguer les réservoirs. Ouais, en vrai, j'avais complètement oublié que j'avais ça. On n'a pas Et ok. l'habitude aussi. Ah, ça s'est bien fighté là. Ah, j'ai perdu toutes mes balles contre ce putain de Spitfire. Il y a Et j'ai trois dû avions finir là, le non, canon. deux. Oh la vache. Ah ouais, je vois, on voit que tu le lâches pas, hein. Pour ça que on t'a senti sec quand t'as dit de dégager. Il avait raison. En même temps, en Ah non, fait, mais t'as. il avait totalement raison. Et Surtout que t'as quand je pas l'ai le temps, entendu en parler, fait. j'ai. Waouh. Ouais. Surtout que t'as pas le temps, en fait. Si t'es concentré, donc en vrai, il faut que l'autre y réagisse vite. Donc au moins un dégage. Enfin, Reviens un moi, en poil tout en cas, arrière. je l'ai pas mal pris. Je me suis dit, merde, je suis en train de faire une merde. Reviens un poil en arrière, tu vas voir à quelle. Ah, c'est peut-être pas là. À combien de centimètres je passe de ce putain de Spitfire? T'es où, Avant qu'il toi? soit Attends. marqué. Baptiste est là. Et là. Est-ce que moi, là, je le vois pas. Là, je commence à le voir et je me dis. Attends, t'as dû passer juste. J'ai dû passer Bah avant. là, ici, là, à un moment là, tu dois passer pas Non, loin. non, T'es non, là. c'est pas là. Je suis vraiment dans ces 600. Ah, ok, dans ces 6. Plus tard, sûrement quand j'ai fortement marqué. Non, non, il n'était pas Ah marqué oui, encore. là, tu l'as marqué. Là, tu l'as marqué. Ah non, Moi, je c'est lui l'ai. qui touche Tiger. Ouais. Moi, il n'était Ah pas marqué ouais, encore. effectivement, là c'est un sacré sac de nœuds parce que j'étais au-dessus de toi ou en dessous? Bah, Ouais, tu peux t'étais bien. zoomer. Tu regardes, tout en bas, tu as une planisphère et un avion. Clique sur l'avion, à gauche. Voilà. Et là, tu peux tourner autour de ton avion. Oh mon Dieu. Ok. Ah, t'étais même sur mon aile droite. Non mais c'est avant que je t'ai pas vu. Ouais, j'essaie de me trouver des excuses, mais j'aurais dû le voir en vrai. Il touche. Ah, c'est pas passé loin, mon pauvre Tiger, parce que. Ah mince, il est pas là, je suis con. Parce que là, il se fait marquer, il se fait toucher juste au moment où Croc il le cueille. Et là, après, c'est juste Croc qui le. Ah ouais, effectivement, putain, j'étais dangereux là. À C'est là où être je là t'ai dit de au-dessus. me dégager. Ouais. Parce que comme je regarde Là, aussi tu. aux alentours, qu'il rien ne me tombe dessus. Parce qu'il faut Alors, savoir. comment t'as fait pour me voir alors que j'étais sous tes ailes, par contre? Non, là t'es pas sous mes ailes. T'es dans l'axe entre l'aile et le moteur. Putain, ouais. Ça devait être furtif quand même. Ça m'est arrivé 48 fois une collision pour un même appareil chassé. Donc je m'en méfie fortement. Ah là, ça pique. Donc après, normalement. Il restait derrière toi. Et là, ça partait tellement dans les Là, acrobaties regarde. au vol. Regarde, Ah regarde ouais. arrière. Encore un peu. Là. Regarde comme j'arrive dans ces 6. Tu fais contrôle clic Ah gauche ouais. sur Patis, tu peux tourner autour de l'avion de Patis. Contrôle qui. Voilà. Ah ouais, là, Et t'es tu. pas loin, ouais. Ah non, mais je passe vraiment en dessous de lui. Mais en fait, c'est après que tu donnes l'ordre, Croc, je pense. Ah ouais, t'es passé. Là. Ah, t'es passé tellement près de lui. Vas-y, regarde mes lectures, tu vas voir. Appuie sur le Attends, vert. c'est où le. Allez.
Le petit vert à gauche. À gauche, tout à gauche. À gauche, ça ? D'accord ? Non. Okay. Ouais. Oh ouais, vas-y, tourne autour. Juste en dessous. Oh. Clic droit. Enfin, contrôle clic droit sur le Spitfire. J'arrive pas à lire ce qui est marqué. 60 pieds. Ça fait combien de mètres, ça ? Alors, pas beaucoup. Je vais faire le calcul, je vais pas demander de modifier. Bah, une vingtaine de mètres, je pense, quelque chose comme ça. Non, attends, des pieds. Ça doit faire. Non, ça fait moins que ça. Ça doit même pas faire 10 mètres. Là, ça fait. 10 mètres. Combien ? 18 mètres. Ah, si tu vois. T'imagines si jamais je l'avais identifié plus tôt ? Je le coupais en deux. Et ça, c'est après que j'ai entendu le BF109 qui est avec moi dégage. En tout cas, c'était Nemo. C'est sûr que je l'ai. C'était un skin qui était désert, pas plein. Ouais, non, c'est sûr que c'était moi. C'était moi qui te tournais autour depuis tout à l'heure. Ok, parce donc que moi, logique. Si tu veux, je l'ai vu de loin. Je dis, allez, vas-y, go. Ah, non, c'est moi qui ai tiré sur. Putain, j'ai tiré sur qui ? Ah, y a le speed qui ah non, c'est, ah non, c'est speed, c'est speed. Ah, okay. C'est le speed qui tire sur Tiger, ça. Putain, Tiger, le pauvre, il y aura. Et c'est. Là, tu passes devant moi. Ouais. Je crois que c'est pas là où t'as dû dire dégage, alors, parce que. Je sais que je break à un moment donné. Voilà, c'est là où t'as dit. Si, tu l'as dit là. Parce que là, j'ai lâché l'affaire, tu vois, j'ai pu tourner. Et je crois que j'ai réussi à me remettre au-dessus de toi. Parce qu'en plus, quand je tire, j'essaye de faire attention à ne pas tirer sur un coéquipier qui serait devant mes tirs. Et ça, c'est le pire avec Tiger devant, c'est que je suis obligé de faire attention à ne pas tirer et ça touche Tiger. Et là, il m'a pris en chasse en vrai. Ah non, il est toujours concentré sur... Là, il prend en chasse Patis, alors qu'il aurait pu me prendre moi. Hein. J'étais une bien meilleure cible, je pense. J'étais plus bas et j'étais devant lui. J'étais dans ses... Là, je passe au-dessus de toi. C'est là où je t'ai vu, tu vois. Et je me suis dit, bon, je vais rester derrière et un peu au-dessus. Et c'est là que peut-être tu le marques, Croc. C'est là qu'il le marque. Ouais. Non, il était marqué. Il était marqué parce que quand il a dit l'ordre dégage, il a dit celui qui est offensif sur le Spitfire marqué, dégage. Et vu que j'ai vu que le Spitfire était marqué, je suis parti. Il y avait deux marquages. Il y avait un marquage léger que j'ai fait assez rapidement. Et après, j'ai fait un marquage lourd. Bien blanc. Ah oui. Ah, il était blanc même, il a eu une fuite de. Une merde, comment ça s'appelle ? Ah, j'ai fait faire deux fuites de carburant et une fuite de flotte. Ouais, voilà, donc, une fuite de carburant. Et tu vois, comme quoi les sensations, c'est bizarre. J'avais vraiment la sensation d'être plus haut que toi. En fait, je suis iso-altitude. Je suis derrière toi, mais. Ce qui fait que c'est pas ouf, s'il y a un ennemi qui arrive derrière, il nous égaye tous les deux. Ah là, j'ai vu qu'il était là, il était perdu le speed. Yeah. Ah, bien joué. Non, moi, par contre, j'arrivais jamais à vous retrouver. Et le speed à la fin là, qui me prend dans mes 6, ça va te remettre sur moi. Vas-y, avance un peu, parce qu'à un moment donné, j'en ai un qui est venu dans mes 6 de Spitfire. Et c'est là où j'annonce à Croc. Ah non, il y en avait deux en fait. Là, ouais, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux et c'est le troisième qui va te prendre en chasse d'ailleurs. Ah non, c'était celui qui était en train de tomber, ça. On avait les 6 Spitfire contre nous. Ouais, non. J'en ai battu qu'un, donc. Moi, après, j'ai voulu en prendre en chasse, j'y suis pas arrivé. Ouais. Et le deuxième, je sais pas où il est passé. Ouais, si vous voyez, j'en ai peut-être eu qu'un, mais j'ai pas eu besoin de beaucoup de tirs. Je suis assez fier de moi. Je sais pas par quel miracle je l'ai vu. Et identifié en fait, surtout parce que. Ben là, c'est à ce moment-là que j'ai dit que j'étais poursuivi par un speed. Ah, ok. Oh, de Dieu. C'était qui ça ? C'était plus cool. Putain, il a failli me toucher. Hein. C'est là. Ah, mais tu m'as pas touché. Hein. Enfin, en fait, ouais, non, c'était. C'est le. C'était bien un speed alors. Ah oui, c'est là où Croc dit. C'est pas celui-là qui était rouge. Non. C'est là où Croc dit effectivement qu'il a un speed et j'étais dans C6. Je me suis retrouvé dans C6, un peu par miracle, je dois avouer. Ok, ouais. Et donc, à ce moment-là, je suis stable. Je fous plein gaz avec mes téléphones. Ouais, je vois ça.
pour le forcer à s'aligner derrière moi, pour que tu n'aies pas de grande manœuvre à faire pour l'aligner. Ah ben regarde, ça s'est vu. Hein. J'étais direct dans ces 6. Tu vas voir, je vais faire un tir quasiment. Je crois que j'en fais un pour ajuster. Et le deuxième, je sais pas comment réagir quand ils font droite-gauche comme ça. C'est assez chiant. Ouais. Regarde, hop, ralentir. Un tir. Et bim, c'est fini. Ralentir et patienter qui stabilise. C'est la seule chose à faire. Ok. Là, je le suis un peu. Mais après, tu m'as annoncé... Il m'a annoncé qu'il était, mort, il était kill, ouais. Donc j'ai lâché la fête. Il y en avait un vraiment pas loin, je l'ai pas vu celui-là. Ah non, mais c'est celui qui était en train de descendre. Non, mais au-dessus t'en as un aussi. Ah ouais, il y avait partout quoi. Et y a derrière, ça doit être Pouco, parce que moi j'étais en bas, non? Ah non, c'est moi. Ça c'est toi. C'est toi derrière. C'est au moment où je t'ai rejoint alors. Ah, mais t'as vu, je l'ai pas vu celui-là, je l'ai jamais vu, hein. Le split en haut. Mais même moi. Je pense que Croc l'a vu, lui. Ouais, il va non. Dessus. Non? Non. Là, j'étais en train de compter, justement. J'avais abattu un speed, t'avais abattu un speedfire. Je cherchais le troisième. Et okay. Savoir. Et je fais à sa communication si quelqu'un avait abattu le troisième. Et le truc, c'est qu'ils étaient 6, pas 3. Et qui l'a abattu, lui, du coup? Manuel Tank. Manuel Tank. Merci pour les screenshots. Il rentre à la base. Ah ouais, on l'a pas eu celui-là. Oh là là, il aurait tellement pu nous faire mal. T'as vu ça? Je pense qu'il essaie de nous shooter, non? Là, il va en offensif. Oui. Non, mais on est trop rapide, je pense. Il arrive pas à nous rejoindre. Ouais, il a essayé quand même, ouais, c'est vrai. Parce que là c'est le passage où Croc tournait. Et ouais, on a commencé à tourner sur Oh la coup. Vache. Ah mais oui, mais deux fois il aurait pu nous cueillir. Attends, non, ouais, après, ça, quoi. Après il peut l'IA peut ne pas nous voir aussi ou non, elle est omnisciente. Non, elle peut ne pas nous voir. Ouais, à mon avis elle nous voit pas. Elle ne nous voit pas à travers les nuages et elle peut enfin quand la tête est tournée dans un axe, elle ne voit pas justement les autres. Là, à la fin, c'était bon, on a bien voulu en formation. Ouais, ouais, j'allais dire, regardez un peu cette rejointe, comment elle était quand même belle. Vous m'avez super bien suivi, parce que alors le virage que je vous ai fait là, il était quand même pas cool. Mais au début, quand je t'ai suivi, quand on était que tous les deux, avant de rejoindre que Pouco nous rejoigne, on a fait des virages, mais sans prévenir. À un moment donné, t'es parti en total à gauche. J'étais perdu de vue à un moment, d'ailleurs. Ouais, mais c'est peut-être ma faute, je voulais pas saturer la radio, je m'étais dit que tu me suivrais bien. Oui, j'ai peut-être oui, été non, un peu ça. Trop violent dans mes virages, ouais. Mais... Vous avez vu comment j'ai fait ça? Je pense que c'est pas très légal, ça, dans les bouquins. Là, j'étais en vente arrière, je voulais pas faire un tour de plus. Allez, hop, j'y vais. Bon, ça a marché, hein. C'est essentiel. C'était quand même vraiment très cool. Alors moi j'ai trouvé ça hyper intense hein, pour ma part. Alors, bizarrement, je suis d'accord avec toi, je trouve ça plus intense en Warbird qu'en moderne. Parce qu'en moderne, entre guillemets, tu sais que t'as l'électronique qui va voler pour toi. Ouais, non, c'est clair. Moi j'ai trouvé ça hyper intense, mais du coup hyper hyper stimulant aussi. Parce que. Mais en même temps, tu fais aussi plus de conneries. Hein. Oui, tu fais aussi plus de conneries. Oups, bien d'accord. Ah bah désolé, j'ai fermé le truc. Ouais, moi plein de fois, je me suis dit, putain, là j'ai fait le con, fais chier. Mais bon, en même temps, on n'en a pas fait beaucoup non plus d'émissions. C'est ça, puis ça reste beaucoup d'entraînement, hein, faut le dire aussi. Hein. Alors par contre, il faut que je regarde ça, parce que je suis très embêté. J'ai été embêté tout le temps par mes volets, mais tout le temps en fait. Il y a une action, je ne sais pas laquelle, qui doit actionner mes volets. Et j'ai fait plein de tests, je ne trouve pas quelle action, pourquoi mes volets ils s'actionnent. Alors soit il y a un faux contact dans ma manette des gaz. Attends, ouais, soit il y a un faux contact dans ma manette des gaz, soit... Là, j'ai regardé et je ne trouve pas de double
pas de trucs qui font. Moi, c'est le Master Arm, ça m'a énervé, je l'avais paramétré et il semble. Dans les axes, en tout cas, j'ai rien. Après, faudra que je regarde dans les touches, mais j'utilise pas de touches en fait. Je suis vraiment fortement embêté par ça. C'est quoi déjà le nom de la touche pour du Master Arm du BA du 109? Celui qui est à côté des deux jauges. Attends, je peux te dire ça, je suis dans le cockpit. Commande des armes, marche arrêt. Commande des armes, marche arrêt, je t'en. Je rappelle que vous devez remplir votre carnet de vol pour ceux qui n'ont pas encore fait. Je vais aller dessus. D'ensuite. Qui vous ramène sur le Google générique. Vous cliquez sur votre pseudo, vous verrez en dessous données et votre pseudo. Vous cliquez dessus, ça vous amène directement à votre page. Moi, je vais mettre fin au stream maintenant et je le publierai sur la chaîne dans la foulée.